J'ai été contactée par une cliente parce qu'elle avait du mal à organiser son atelier de couture. Vous allez voir donc dans cette vidéo comment j'ai proposé d'aménager son atelier couture, essentiellement avec du mobilier disponible déjà dans la grande distribution. Je pense que si vous avez un atelier de couture aménagé chez vous, eh bien vous allez aimer cette vidéo. Venez derrière l'écran de mon ordinateur pour connaître tous les détails. On va découvrir donc cet atelier couture qui avait comme grand inconvénient et problème simplement de ne pas avoir assez de rangement. Et du coup, l'espace était encombré avec des boîtes en plastique empilées parce que c'était le seul moyen de mettre de l'ordre. Donc l'objectif principal ici, c'était de rendre l'atelier de couture plus fonctionnel et de permettre justement de mettre de côté les différents accessoires qui servent pour la couture, donc les tissus, les boutons, les fermetures éclair, les bobines et j'en passe, derrière des portes de placard. Donc aussi, ce qui est important, c'est aussi de proposer de la surface pour travailler parce que évidemment il faut poser sa machine à coudre quelque part, mais à côté de ça en fait il faut avoir de la place pour faire les tracés, les découpes et tout ça. Et donc un élément central de cet aménagement, c'est cet îlot que vous pouvez voir ici, un îlot qui est fait simplement à partir des modules Kallax que vous connaissez tous. Donc ces modules ont été mis ensemble, il y en a trois, donc deux qui sont dos à dos et le troisième qui fait façade. Et donc ils vont proposer des espaces de rangement où on va pouvoir glisser simplement des boîtes et au-dessus un joli plateau où on va pouvoir justement travailler. Et le tout est mis sur roulette. De cette façon, on va pouvoir le bouger comme nécessaire. Et sur la droite, vous pouvez voir aussi qu'il y a une banquette. Et cette banquette, elle peut être utilisée comme malle également. Donc le dessus se soulève et on va pouvoir mettre des tissus à l'intérieur. On va continuer notre petit tour de la pièce. Donc ici, vous allez voir un bureau. On est allé un petit peu trop loin peut-être, mais un bureau avec deux modules de tiroir en dessous qui étaient déjà existants. Il était dans la pièce avec cette chaise à canet que je trouve très sympathique. Et donc, je pense que c'était une bonne idée de les sauvegarder. C'était fonctionnel, c'était simple et c'était tout à fait adapté à la nouvelle déco moderne, scandinave et lumineuse qu'on cherchait à obtenir. À côté, j'ai simplement glissé cette petite desserte en métal qui va servir pour l'atelier couture, mais aussi qui va servir lorsqu'on utilise la terrasse pour recevoir du monde, parce que c'est une petite terrasse assez sympathique. Et on va se retourner dans l'autre sens. Donc là, vous voyez un claustrat en bois qui vient sécuriser l'espace au-dessus de l'escalier, puisqu'avant il n'y avait rien simplement, donc c'était pas idéal, on va dire. Et donc, placer cette claustra en bois, ça a été l'occasion de prévoir quelques petites boîtes étagères. Donc, ça c'est très très sympathique pour pouvoir notamment exposer des petits objets réalisation couture ou d'autres objets décoratifs. C'est assez ludique et puis c'est aussi l'occasion de pouvoir placer devant ces meubles de rangement qui sont également des meubles Besta, donc grande distribution aussi, des meubles avec porte fermée où on va pouvoir caser pas mal de choses et au-dessus on va pouvoir se servir de ce plateau pour travailler justement. Vous allez voir au-dessus également de notre îlot, on a un module Besta également avec une profondeur de 40 cm qui est attaché, qui est également suspendu, je veux dire, et qui est également un meuble avec porte. Donc on va pouvoir y caser pas mal de choses et sur ce mur au fond, le mur avec le papier peint graphique, eh bien, on a quatre autres modules Besta qui sont placés, mais cette fois-ci, ce sont des modules de 20 cm de profondeur seulement, ce qui va permettre de simplement de ne pas
alourdir trop la décoration, puisque quand on monte les marches, en fait, sur la gauche, on a cet atelier couture, mais sur la droite, eh bien, on accède aux chambres. J'espère que vous avez apprécié cet atelier de couture. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, j'ai utilisé ma méthode en 11 étapes pour aménager cet espace et vous pouvez découvrir cette méthode, connaître comment je l'utilise, notamment dans l'astucier déco qui est une formation vidéo offerte pour tout achat du journal de bord rénovation. Simple à utiliser et facile à mettre en œuvre, cette méthode en 11 étapes va être indispensable pour réussir l'aménagement de vos pièces. Merci pour le temps que vous venez de passer à regarder cette vidéo. Si vous avez prévu des travaux, n'hésitez pas aussi à découvrir plus de 30 exemples d'aménagement et de décoration d'intérieur, des projets 3D que vous pouvez découvrir dans l'espace membre de mon site web. Vous allez pouvoir également télécharger un fichier PDF par projet.